8e. Donc déjeuner APG Sabre. Je vois que nous sommes très nombreux pour cette édition. Ça fait plaisir. La dernière fois, il pleuvait, il faisait pas beau et on était moins nombreux. On a aussi passé quand même un très bon moment. Alors, quelques nouvelles. Déjà, j'ai le plaisir d'accueillir Simone Kramer qui est donc chez Sabre en charge des relations avec un certain nombre de compagnies aériennes. Donc Simone, je crois que c'est la deuxième fois que tu participes au déjeuner APG Sabre et depuis, elle a signé énormément de contrats. Bravo, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc effectivement, bon, notamment un qui est très important et on l'a annoncé à Top Reza, c'était bien sûr le renouvellement de notre contrat avec Air France KLM. Et donc qui nous permet comme ça de bien nous asseoir sur le marché français pour quelques années encore. Également, donc, on a continué à développer tout ce qui est frais annexes, hein, les fameux frais annexes des compagnies aériennes donc dans notre système. Et le tout dernier, c'est avec Alitalia. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Nous avons le plaisir d'accueillir des nouveaux aussi parmi le déjeuner Sabre APG, ou nouveaux, ou alors qui ne sont pas venus depuis longtemps et qui reviennent. Il y a Martine Granier qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Martine. J'ai vu que nous avons également Guillaume qui est parmi nous. Jean-Pierre Nadir également qui est parmi nous. Excellent. À qui je ne vais pas donner la parole, sinon on va jamais déjeuner. Hein, on va rien comprendre non plus. Voilà, et donc je passe la parole à Sandrine et je vous souhaite à tous un agréable appétit. Alors, je vais faire très vite. Je vais juste remercier tout particulièrement. Bon, Franck Gonladen, on le présente plus, ADP, Aéroport de Paris. Merci mille fois, Franck, toujours d'être avec nous. Je remercie Raoul. Jean-Paul Chantraine, président d'Asia, qui, je crois, c'est la première fois qu'il vient. Merci. René Marchicli, président du CETO, que j'ai vu aussi. Merci beaucoup. Luc Béréni, directeur commercial et des programmes de XL France, qui c'est la première fois, et Dieu sait si je l'ai tanné. Luc, merci. Mathias Funke, directeur business développement France, Benelux de Lufthansa. Robert Chad, le nouveau directeur France de Etihad Airways, merci beaucoup d'être parmi nous. Alvaro Delgado, nouveau directeur France de Iberia. Merci mille fois parmi nous. Linda Moreira, directrice France de Vueling, que j'ai vue également. Merci. Fabienne Clark de HRG, je crois que c'est la première fois qu'elle vient, mais elle doit arriver. Elle n'est pas là. Guillaume Victor Thomas, président d'EcoTour. On l'a déjà. Merci. François-Xavier Esnick, le rédacteur en chef de Stratégos, qui est là aussi. Merci. A special thanks also to Richard and Jim from APG. One is coming directly from New York, one from London. COO and VP President of Europe. And a special thanks to Tom Murphy, ex-head of IATA in Geneva. He was the guy. He's the big man. Thank you. Alors, comme je fais sa pub parce qu'il ne va pas la faire, monsieur Jean-Louis Barou a fait un livre sur ses chroniques. Ça coûte 21 euros. Il récolte rien. Si ce n'est que c'est pour l'association Les Enfants du Vietnam à 100%. Donc, achetez le livre, s'il vous plaît. Il n'y a pas que des conneries dedans. Et un petit mot sur le World Connect. Et moi, c'est fini. Un petit mot sur World Connect. Le World Connect se tiendra à Monaco dans 15 jours. On est fully booked, donc ne cherchez pas à vous inscrire, c'est plus possible. Il y a 400 personnes qui vont être là, qui viennent de 80 pays différents. Et nous remercions les distingués sponsors, dont APG Inc., qui est l'un des très grands sponsors. Et puis nous remercions tous les speakers, dont Tom Murphy, qui est l'un des speakers, parmi les nombreux que nous avons. Merci à tous. Promenade, ooh.
Full circle, I've come full circle.